Ah bah alors je suis vraiment hyper content et même très fier d'avoir mon film projeté dans cette salle de cinéma. Bonjour, je suis Karim Ben Salah, je suis réalisateur. Et mon film sort aujourd'hui, ça s'appelle 6 pieds sur terre et il passe dans un de mes cinémas préférés. Je m'en fous de l'islam, je suis pas musulman. C'est normal, tu es rien. Il y a l'affiche à l'intérieur. Alors je vous amène ici parce que c'est un de mes cinémas préférés. Madame, ils m'ont laissé 30 jours pour quitter le territoire, 30 jours. Je dois avouer que je suis assez fier d'avoir mon film projeté dans ce cinéma. C'est mon premier long métrage. Donc c'est un peu un rêve qui se réalise. La seule solution, c'est de vous faire embaucher. C'est le nouveau, Sofiane. Sauf. J'ai choisi cette affiche parce que la trajectoire de Sofiane, c'est d'aller de l'ombre à la lumière. Et donc voilà, je l'ai enfermé un peu dans cet endroit-là. Il regarde vers l'extérieur, là où il va couver sa voix. Il est quelle heure? Là, j'achète une place pour mon film. Tu respectes la créature de Dieu. Je suis né en Algérie, de père algérien et de mère brésilienne. J'ai grandi en Haïti, au Sénégal. J'ai fait lycée français là-bas et je suis arrivé à 18 ans en France. Voilà. Et puis j'ai fait mes études de cinéma à Londres. Tu sais qui je suis? Moi, je sais pas. Je sais pas du tout. Les jeunes réalisateurs algériens, là, il y a une génération, je trouve, magnifique. Je suis hyper fier de m'insérer là-dedans. On croit, on sait respirer, mais en fait, non. Même ça, ça s'apprend. Des gens comme Amin Sidi Boumdine, comme Hassan Felhani, comme Damien Onouri, Adila Benzimerad, ou encore Yanis Koussim, ou Camille Reynouz. C'est vraiment des noms auprès desquels je me sens hyper fier d'appartenir.